Bonjour, je vais vous présenter les modes de recrutement. Aujourd'hui, le web, c'est un véritable média de vente. Et comme tout média de vente, on a besoin de faire venir des gens chez soi. C'est une zone de chalandise, si vous voulez. Il va falloir mettre en place des techniques de communication. Et pour bien comprendre les techniques de communication à mettre en place, il faut savoir comment les gens, traditionnellement, viennent sur un site Internet. On se rend compte que les gens qui viennent sur un site Internet accèdent à ce site Internet de trois grandes manières. Les moteurs de recherche. À côté de cet accès moteur de recherche, il y a bien sûr l'accès direct. L'accès direct, c'est ce qui naît de toute votre communication hors média. Alors, quand j'utilise le terme hors média, c'est l'utilisation hors média Internet. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser des cartes de visite, du papier en tête, de la communication que vous pouvez faire à la télé, à la radio, en publipostage. Et c'est des gens qui vont être mis en contact avec votre adresse Internet et vont ensuite la ressaisir derrière. Il y a bien entendu, à côté des moteurs de recherche, de l'accès direct, tout ce qui est accès lien. Alors, l'accès lien, c'est les gens qui ont été en contact avec un lien. Donc, ils sont sur le média Internet. Ils sont devant leur ordinateur ou leur télévision. Ça dépend comment ils consomment le média, entre guillemets. Et ils rencontrent un lien, une bannière publicitaire, par exemple, une bannière, votre publicité, ou un lien sur un blog, un site personnel où on dit, allez voir telle entreprise ou sur un forum. Où as-tu acheté, tes pneus, par exemple? Eh bien, je les ai achetés sur tel site. Voici le lien. Donc, les quatre grands modes de recrutement, justement, qui naissent de ces trois grands types d'accès à un site Internet, ce sont le référencement. Le référencement, c'est le fait d'agir sur son positionnement au sein d'un moteur de recherche. Donc, ça se rapproche de ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau des moteurs de recherche, des accès par moteur. L'allocation de fichiers, ça, c'est quelque chose qui est par rapport à l'email. Comme vous faites de l'allocation de fichiers, quand vous faites du publipostage, vous achetez des adresses postales de prospects, plus ou moins ciblés, vous pouvez faire exactement la même chose sur Internet pour de l'emailing. C'est pour ça que je vous parle essentiellement de l'acquisition. C'est vrai que si vous êtes en période de fidélisation, l'allocation de fichiers, vous l'avez déjà, puisque ce sont déjà des clients chez vous, vous allez réutiliser ces adresses. Vous avez à côté la publicité. En fait, c'est la publicité en ligne. C'est tout ce qui est bannière, les fameux carrés, grands carrés, skyscraper, tous ces termes, on verra un peu plus tard, que ce sont donc l'affichage de votre marque de manière publicitaire. Et à côté, vous avez l'affiliation, qui est un mode assez particulier, qui est celui de la constitution d'un réseau virtuel de revendeurs, c'est-à-dire de personnes qui vont revendre vos produits. Pourquoi tel ou tel mode de recrutement est plus ou moins intéressant à mettre en place? Ce qui est important dans ce schéma, c'est de bien comprendre ce qu'on appelle le taux de perte. C'est-à-dire que le message que je vais donner à l'internaute, dans quelles conditions il est au moment où il le reçoit. Bien sûr, plus vous êtes large au niveau de votre mode de recrutement, et plus l'internaute va être moins sensibilisé à votre offre. Donc, bien entendu, le taux de perte sera supérieur à d'autres techniques de recrutement. Donc ici, j'ai repris les quatre grands modes de recrutement que je vous ai présentés tout à l'heure, et je les ai cette fois-ci commencé à les comparer par rapport à ce fameux taux de perte. Vous allez tout en bas, la bannière publicitaire. La bannière publicitaire, c'est le fait d'afficher votre marque. C'est classiquement ce qui vient de la presse écrite. C'est acheter une page de pub. Alors, sur un site Internet, on n'achète pas une page de pub, on achète un encart publicitaire, c'est-à-dire un endroit sur la page. Il y a un certain nombre de formats qui sont définis et vous pouvez acheter tout simplement ce type d'encart. C'est le taux de perte le plus important. Bien entendu, quand vous faites une publicité sur un média assez large, par exemple, prenons un grand portail d'information comme peut être Yahoo, le problème, c'est que si votre produit ne correspond à juste une petite cible, vous allez passer à côté d'une partie de l'audience générée par Yahoo. Donc, le choix, bien sûr, du support est très important, justement, pour essayer de minimiser ce taux de perte. Au-dessus, c'est l'email marketing. Ce qu'on appelle l'email marketing, c'est bien sûr l'opposition par rapport à l'emailing, qui est souvent l'emailing, plutôt l'emailing de fidélisation. Quand on parle d'un emailing, c'est souvent parce qu'on a une base mail propre à son entreprise, qu'on a collectée, par exemple, comme ce soir, on pourra peut-être vous demander votre adresse mail, et ensuite on va vous renvoyer un petit peu d'informations. Ça, c'est vraiment l'emailing. Ce qu'on appelle l'email marketing, c'est le fait, cette fois-ci, souvent de louer une base ou de l'acheter, et ensuite d'envoyer un message
à ces mails et derrière de récupérer les informations. C'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de la base mail, vous ne deviendrez propriétaire que des gens qui ont répondu favorablement au message que vous avez envoyé. Donc là aussi, il y a un taux de perte qui est assez important. Vous savez aujourd'hui que les contraintes sur l'email sont de plus en plus fortes et vous recevez de plus en plus de mails non sollicités, quelquefois. Bien entendu, c'est un petit peu comme la publicité traditionnelle avec le distribué non attribué de la poste. Beaucoup de publicités passent directement à la poubelle sans même avoir été ouvertes. Aujourd'hui, ça se fait même de manière automatique puisqu'il suffit d'un bon anti-spam sur un ordinateur pour que votre mail n'arrive même pas, entre guillemets, dans la boîte de réception de votre destinataire. Au-dessus, on a l'affiliation. L'affiliation, on reviendra dessus un peu plus tard, parce que c'est quelque chose d'assez spécifique. C'est le fait de proposer ces produits, ces services à un site Internet et de rémunérer ce site Internet à chaque fois qu'il y a une action qui a été faite sur le site du diffuseur. Vous avez un blog qui parle de randonnée. Vous avez un marchand de tentes qui vend des tentes de camping, des sacs de couchage. Le marchand de tentes vous dit, ben moi je suis prêt à vous donner une bannière publicitaire, petit encart, et toutes les personnes qui cliqueront sur cette bannière et qui achèteront sur mon site, je te rémunérerai 10% du chiffre d'affaires, par exemple. C'est ça l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est vraiment le développement d'un réseau de distribution virtuel, mais on verra un peu plus tard. Et au-dessus, vous avez le marketing des moteurs de recherche. Le terme, en fait, ici est francisé. Le terme qu'on utilise de plus en plus, c'est celui du search marketing. Search pour, bien sûr, la recherche. Le search marketing, c'est le fait de travailler son positionnement au sein d'un moteur de recherche. C'est là où on est le plus à même de trouver le prospect le plus qualifié. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur un moteur de recherche, on est face à une cible qui est proactive, c'est-à-dire des personnes qui sont allées sur un moteur de recherche et qui ont tapé un mot. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce sont des gens qui sont auto-ciblés. Ils sont allés sur un moteur de recherche, ils ont mis achat voiture, tout de suite, vous savez que la cible, c'est une personne qui veut acheter une voiture.